attractions, j'en ai plusieurs, mais celle qui donc a retenu votre attention, c'est la mise en fiche standardisée des sanctuaires. Alors, d'un côté, les Notre-Dame de Lorette, de l'autre, ceux du Sévéraguet. Ce sont les deux thèmes que j'ai choisi de développer. Mais il est bien évident que ces quelques... Bon, 160 lorettes à peu près, 160-170, on ne sait pas encore le nombre exact, plus la quarantaine de sanctuaires du Sévéraguet, on est loin de tous les sanctuaires de France, qui eux sont à peu près 120 000. Alors, pour faire une fiche sur chaque sanctuaire pour ces 120 000, il faut 400 ans. Donc, ce n'est pas un travail qui peut être fait par une personne seule. C'est forcément un travail d'équipe. Il y a déjà des organismes qui s'intéressent à ces questions. Par exemple, l'Observatoire du patrimoine religieux ou le service de l'inventaire du patrimoine, qui lui dépend du ministère de la culture. Ces organismes font ce qu'ils peuvent et il est évident que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour essayer de faire quelque chose le plus complet possible. Parce que c'est la mémoire de ce qu'ont réalisé les générations passées qui s'enregistre de cette façon-là et qui sera restituée aux générations futures. Or, en ce qui concerne les sanctuaires, il faut savoir qu'il y a encore de petites églises ordinaires dans les campagnes qui souvent sont menacés de disparition. Il y en a qui s'effondrent. Chaque année, il y a des accidents comme ça qui font que un jour, il y aura beaucoup moins de sanctuaires qu'il n'y en a à l'heure actuelle. D'ailleurs, soit dit en passant, que dans les 120 000, j'ai compté celles qui ont disparu, dont on ne connaît que des traces dans les archives, ou celles qui sont en ruine. Mais elles peuvent être traitées exactement de la même manière, sous forme donc de fiches telles que je viens de vous les montrer, qui rassemblent une vue intérieure, une vue extérieure, un quart de page de texte et un petit plan de localisation. Voilà, cette mise en page, donc, dont la disposition peut varier d'un sanctuaire à l'autre, est uniforme, qu'il s'agisse de la cathédrale de Paris ou d'une petite chapelle au fond des bois. C'est le même principe à chaque fois. Donc, si des gens qui s'intéressent à leur patrimoine veulent me prendre une vue intérieure, alors la vue intérieure la plus large possible pour qu'on ait une idée précise du volume donc du bâtiment, une vue extérieure qui le situe dans son environnement. Il ne s'agit pas simplement de prendre une vue où il n'apparaît rien autour, un peu de cadre est toujours intéressant. Donc si des personnes veulent me prendre ces deux photos, récolter les renseignements historiques liés à ce sanctuaire et me les envoyer, eh bien je me ferai un plaisir de monter la fiche. Tout cela fera que les générations futures auront une connaissance de ce qui a existé et qui peut-être n'est pas destiné forcément à exister pour toujours. C'est donc un travail de mémoire et qui permet de comprendre comment nous avons évolué. Il faut savoir que lorsque certaines de ces églises et chapelles ont été construites, les gens vivaient même pas sur ce qu'on appelle aujourd'hui un canton. C'était plutôt sur la commune. Il y a toujours eu au cours de l'histoire des gens qui ont beaucoup voyagé, mais il y a aussi des gens qui sont restés toute leur vie au même endroit. Et c'était la majorité du temps où la population était essentiellement rurale. Ce travail-là, c'est un travail qui nous permet de lier le passé au présent et à l'avenir.
Les sanctuaires ont toujours eu une place très importante. L'église a toujours été le bâtiment le mieux construit du village en général. Donc c'est un thème représentatif de notre vie et le texte que je mets sur chaque page permet de faire tous les liens que l'on veut. Voilà, donc les personnes qui auraient les éléments pour que je monte une planche ou une fiche, bon le mot fiche a été un peu sali par l'histoire et par certains, surtout dans le domaine policier, bon, mais une fiche techniquement reste une fiche. Les gens qui peuvent m'envoyer deux photos 10-15 du format ordinaire du commerce, plus au brouillon un texte historique, eh bien ces gens-là, je les en remercie d'avance et de toute façon, c'est pour eux que je travaillerai avec grand plaisir et bénévolement. Merci de votre visite.